baby, you know what I want. You know what I'm asking. Gauche, droite, Thierry Omeyer. Droite, Paris, parce que c'est ma ville actuelle, je m'y sens très bien, j'y ai pris mes marques, ça fait maintenant 3 ans que j'y habite. Droite, même si c'est vrai que j'aime bien beaucoup les séries. Je suis très joueur, très compétiteur. Maintenant, ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de jouer au poker, mais je reste à droite parce que, voilà, en plus, la Tour Eiffel, c'est quand même très beau. La Tour Eiffel de jour, c'est gratuit. Mais à la nuit tombée, dès qu'elle s'illumine, il faut payer. Je veux dire gauche parce que les lasagnes, ça me fait penser à, voilà, à un plat que cuisine très bien ma maman. C'est quelque chose qu'elle me fait assez souvent quand j'ai l'occasion de rentrer. Yo quiero, mamá, lasagna, lasagna. Michael Jordan, quelqu'un qui me faisait me lever la nuit quand j'étais plus jeune, le compétiteur par excellence, un des plus grands sportifs de tous les temps. I felt you're beyond compare. Beautiful. Le choix est difficile. Je vais choisir à gauche Daniel Narcisse, avec qui j'ai partagé énormément de grands moments et qui est devenu un ami. J'ai pas la chance de connaître personnellement Michael Jordan. Mon frère jumeau Christian, avec qui j'ai forcément un lien particulier de par notre gémellité. Twins. My name is Julius. I'm your twin brother. Obviously. Je vais dire gauche. En fait, ça rejoint un peu la photo de droite. La première fois que je suis devenu champion olympique, c'était un moment assez particulier et je me rappelle d'un moment très fort que j'ai partagé avec mon frère au téléphone après le premier titre olympique où j'arrivais pratiquement pas, on n'arrivait pas à se parler, on sentait juste l'émotion au bout du téléphone. Je vais dire gauche parce que pour moi le titre olympique, c'est au-dessus de tous les autres titres. C'est vrai que j'ai eu la chance de gagner les championnats du monde à domicile. Ça reste un des moments indescriptibles. Et encore une fois, on a vécu un grand mois de janvier. Mais voilà, pour moi, les plus grands souvenirs, les titres les plus importants, c'est les deux titres olympiques.